Très heureux d'avoir pu assister à cette clôture de la semaine olympique et paralympique. Cette 16e édition est sur le thème du climat. Et comme je le disais dans mon discours de clôture, c'est très intéressant d'avoir choisi cette thématique-là. C'est un thème qui a été choisi nationalement et qui est très important, notamment parce que cette semaine olympique et sportive, elle vise en fait à rapprocher en fait les jeunes du secteur sportif pour qu'ils puissent découvrir un peu la pratique sportive et qu'ils connaissent un peu mieux le sujet du sport. Donc c'est intéressant qu'ils puissent se rendre compte que le sport peut concourir à un respect de l'environnement et à une meilleure connaissance du climat. La semaine olympique et paralympique, c'est un événement qui est très important pour la délégation régionale académique à la jeunesse et l'engagement et au sport. Parce que c'est le moment en fait où on fait se rencontrer le sport en milieu fédéral et le sport scolaire. Et c'est parti vraiment des priorités de la DRAGES actuellement, c'est de faire que cette rencontre ait lieu entre le sport scolaire et le sport en milieu fédéral. Nous, au niveau de la DRAGES, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de devrait à faire, c'est de faire en sorte que les différents acteurs du mouvement sportif se rencontrent, notamment le mouvement sportif, l'État, qu'on représente au niveau de régional, mais également les collectivités territoriales et les acteurs du monde économique. C'est vraiment cette dynamique de rapprochement qu'on essaie d'engager pour aller vers un objectif commun qui est la découverte du sport par le plus grand nombre et notamment par les plus jeunes.